C'est à seulement 29 ans qu'Olivier Letzelter signe son premier roman « Rien que tes bras ». Inspiré par Guillaume Musso et Marc Lévy, le roman parcourt 4 jours de la vie d'une femme de 40 ans, tiraillée par de lourdes blessures, enfouies au plus profond d'elle-même. En fait, j'ai commencé à écrire il y a 2 ans et demi, au début de l'été 2008, et donc ça a mis 2 ans et demi. Le livre fait à peu près 250 pages, je pense que j'en ai écrit 10 fois plus. Dans cette écriture, il y a eu un peu deux temps. Le premier temps où ce que je voulais dire et mon message est sorti tout naturellement. Et puis ensuite, j'ai structuré, j'ai construit une histoire, j'ai réfléchi plus précisément sur les personnages. Voyage, sentiments, secrets et passion sont les maîtres mots de cet ouvrage. Et c'est avec sérénité que l'écrivain nous livre ses sentiments à quelques minutes du lancement officiel de son livre à la mairie de Reichshoffen. C'est vraiment un grand moment, surtout que j'ai fait le choix d'éditer moi-même ce livre. Maintenant, je vais rencontrer le public et je vais confronter ma production individuelle que j'ai montée un peu tout seul avec vraiment les sentiments des gens. Auteur amateur dont l'écriture n'est pas le métier principal, Olivier Letzelter émet encore quelques réserves quant à la future élaboration d'un second roman. J'ai mis un grand coup de collier pour finir ce premier livre et ça m'a coûté vraiment beaucoup d'énergie puisque je le faisais à côté de mon activité professionnelle. Donc là, le challenge, c'est déjà de me faire connaître, de réussir au niveau régional à faire un beau succès. Et puis ensuite, si ça a plu, si mon style a plu au lecteur, si je trouve un public hein, en quelque sorte, là oui, je me plongerai dans l'écriture d'un deuxième, mais pas tout de suite encore. Si vous êtes intéressé par son roman, vous pouvez commander un exemplaire sur le site internet de l'écrivain au www.rienquetesbras.fr ou retrouver l'ouvrage à Intermarché à Reichshoffen. 1 euro sera reversé à l'association humanitaire Kotoka pour tout livre acheté.